Salut les amis, j'espère que vous allez très très bien. Ben en fait, aujourd'hui, je suis avec un pote à moi. Il s'appelle Nadir. Il habite à Nîmes. Mais aujourd'hui, il est en vacances chez ses parents à Hassi Behbeh, à Wilaya de Djilfa en Algérie. Ben en fait, je profite de l'occasion pour faire un dédicace pour mon ami toulousain qui a une chaîne YouTube, Le Grand Gac. C'est ça, oui, exactement. Ben en fait, je vais faire aujourd'hui un vlog. Un vlog à Hassi Behbeh pour que vous voyez les paysages de Hassi Behbeh. Ouais, voilà. Même si qu'il n'y a rien à Hassi Behbeh, mais on va essayer de faire Un petit un petit vlog. vlog pour expliquer un peu, montrer un peu les choses qu'il y a là à Hassi Behbeh, même si qu'il n'y a que du désert. Mais c'est pas grave, on verra ce qu'on pourra faire. On va sortir faire une balade. Allez, à tout à l'heure. Un grand. Salut les copains, on se retrouve une deuxième fois à Hassi Behbeh la nuit cette fois, mais sans Amin parce qu'il est rentré chez lui. Bon. Rien de spécial, on fait un petit tour, on va descendre en ville, on va voir un petit peu ce qu'il y a, ce qui va pas. Un petit tour, attendez là, je vais vous montrer ma maison à peu près, là où j'habite. Déjà, vous voyez là, c'est chez moi. Là, c'est notre maison. Après, là, c'est la route principale qui mène vers la ville que vous voyez là-bas. Vous voyez que des petites lampes, ben, c'est ça la ville. Je sais que c'est un peu loin, mais j'ai aucun moyen de transport pour le moment vu que j'ai pas encore le permis. Mais c'est pas grave, on fait avec. Là, on a un petit building qui est en train de construire. Là, on a la mairie. Et là, c'est la préfecture, qui est aussi notre maison. Rien de spécial. J'ai rien à dire à propos de cette ville. C'est une petite ville qui est pas mal pour des premiers visiteurs. Mais sans plus, vous voyez, tout est vide. Il n'y a rien. Mais voilà, c'est ça le charme de cette ville. Vaut mieux apprécier le silence dans ce temps-là, hein. Parce que vous n'allez pas voir grand-chose. Là-bas, il y a une petite forêt, mais qu'on voit rien. Du coup, ça n'a rien de la montrer. De ce côté de la ville, il y a des petites constructions de villas qui sont faites pour être distribuées aux pauvres qui n'ont pas de maison. Là, c'est une association qui a construit ça pour le commerce. Et quand on descend en bas, ce qui est là-bas en rouge, eh ben c'est les pompiers. Attendez, je vais vous montrer, on arrive à côté. Désolé si je bug un peu parce qu'il fait un peu froid, du coup, pour filmer, c'est un peu dur. Voilà, comme vous voyez là, tout ça là, c'est les pompiers, c'est le centre de pompiers. Après là-bas, il y a derrière un centre commercial aussi, mais qui est fermé, à part quelques petits cafés et tout. Voilà, quand vous voyez l'entrée. Désolé si mon doigt vous gêne, mais j'arrive pas à tenir bien le téléphone. Sans plus, encore la forêt et la route. Là, vous n'allez pas être surpris de voir que des voitures vieilles et des gens comme ça avec cette tenue, parce que c'est leur tenue traditionnelle. Et c'est tout. Là, c'est le centre commercial de quoi je vous parlais qui est fermé. Vous allez voir pas mal de vieilles voitures parce qu'ils sont pas encore à 100% dans la civilisation comme en France et dans d'autres pays et d'autres villes en Algérie notamment. Et là-bas il y a une mosquée, vous voyez que les deux piliers qui la démarquent. Et ça c'est la piscine communale. Je sais que vous voyez pas très bien, désolé pour la qualité, mais j'ai pas le choix. Je dois filmer avec ça, j'ai pas encore acheté du matériel. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez nous ajouter sur nos réseaux sociaux, moi et Amin qui est le propriétaire de la page et que vous connaissez très bien. Et que et il a déjà fait des vidéos sur cette chaîne, même si qu'elle est toute nouvelle. Et partagez les vidéos si ça vous plaît, laissez des commentaires, des petits likes, comme ça on sache que vous nous suivez, que vous aimez ce qu'on fait. Et proposez-nous des contextes de vidéos que vous aimeriez qu'on fasse. Voilà, ça c'est la piscine, c'est l'entrée de la piscine. Allez, je vous laisse, à demain.